J'avais une question par rapport au maquillage. Parce que j'ai reçu ma délivrance de l'esprit de la sirène des eaux. Tu peux te lever, s'il te plaît, parce qu'on ne te voit pas. Tu as reçu une délivrance samedi dernier? Il y a 2 semaines. Il y a 2 semaines, d'un esprit de sirène des eaux. Voilà. Esprit de séduction. Voilà. Et avant, je me maquille beaucoup, 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 beaucoup. Mais... Wouh! Beaucoup. Et voilà, Dieu m'a fait grâce de m'accepter naturellement. Et je voulais demander, en fait, si c'est interdit, en fait. Parce que j'ai peur de me remaquiller. Je ne veux pas qu'il Ok. revienne, en fait. Ok. Donc, tu aimais séduire? Ouais. Oh, fou. Attends, attends, attends. Oui, beaucoup, beaucoup. D'accord. Ok, donc les hommes te couraient après tout le temps? Oui, Beaucoup. beaucoup. Ok. Amen. C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Vous savez que les femmes ont un pouvoir, hein? Et le maquillage, ce que je sais, c'est que Satan, n'est-ce pas, notamment la sirène des eaux, travaille énormément, hein, pour séduire, pour détruire la jeunesse, les hommes. Et tout ce qui est cosmétique, tout ça, et Satan utilise beaucoup le cosmétique pour pouvoir séduire, détruire les gens. Et je crois, là tu es naturel comme ça. C'est la vraie beauté, c'est celle qui est naturelle. Sans décoration. Alléluia. Bon, vous partez, que Dieu vous garde, hein? Alléluia. Comment on appelle ça là? Les sourcils. Non, le sourcil, mais le que vous. Le concealer, enfin, correcteur, je sais pas moi. Le crayon. Le crayon là. Regardez, regardez, regardez bien. Allons dans la Bible. Dieu est grand. Le maquillage. Qui a du mal à se passer du maquillage? S'il vous plaît. Deux rois. Deux rois, chapitre 9, on lit à partir du verset 30. Est-ce que quelqu'un peut lire juste le verset 30? Quelqu'un qui a le micro? Tu peux? De roi, verset 30. De roi 9, 30. C'est de roi 9, 30. C'est de roi 9, 30. Ouais. J'ai eu entrée dans Jisréel, Jézabel, l'ayant appris, mit du fard à ses yeux, se para la tête et regarda du haut de la fenêtre. Qu'est-ce que Jézabel a fait ici? Hein? Jézabel a mis du fard à ses yeux. Hein? Oh! Voilà une femme, Jézabel, qui a introduit officiellement en Israël le culte de Baal et d'Astarté. Elle était sidonienne d'origine, son père était roi, elle était princesse, et elle a introduit officiellement en Israël la sorcellerie, la magie. Et elle était dominatrice, elle était, mes amis, c'est la sirène. Jézabel, c'est aussi la sirène des eaux. C'est une femme qui écrase les hommes. Et elle aimait, n'est-ce pas? Elle aime se maquiller parce que c'est un esprit. Jéhu était prophète. Jéhu est envoyé par Dieu pour exécuter toute la famille d'Akab, notamment sa femme, Jézabel. Et Jézabel, sachant que son temps, sa mort était arrêtée, que Dieu avait envoyé un prophète pour l'exécuter, et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va se maquiller pour séduire. Et heureusement que Jéhu était, hein, avait une onction prophétique et il n'a pas cédé à la séduction de cette femme. Donc,
Elle est allée se maquiller, se préparer. Elle a mis du fard sur ses yeux. Pourquoi? Parce qu'elle voulait avec les yeux séduire. Je ne dis pas que toutes les femmes qui se maquillent cherchent à séduire. Mais en fait, la base même du mariage, c'est ça, quoi, c'est vouloir séduire. Je ne dis pas qu'il ne faut pas que les femmes se laissent aller, se négligent. Non, ce n'est pas ça. Mais honnêtement, quand on voit les tenues de certaines femmes, leur accoutrement, leur manière de se maquiller, on peut voir la séduction. On peut voir. Vous savez, il y a des manières de bouger, de parler, oh là là, la séduction. Voilà. Et je peux vous assurer, l'endroit où il y a plus d'impudique actuellement, là, ce sont les églises évangéliques. Je vous dis. Il y en a une qui est venue il n'y a pas longtemps, là, tout ça, là, que le Seigneur a exposé. Hein? Il y en a plein, il y en a une en ce moment, là. Mais c'est grave, hein? Le maquillage. Là. Soyez naturels, les sœurs. Honnêtement, une femme naturelle est plus belle. Hein? Moi, mon épouse, elle n'a pas de maquillage depuis des années. Depuis que je la connais, elle n'a pas de naturelle. Voilà. On voit une fille de 13 ans maquillée comme pas possible et on lui donne 25 ans. Hein? Quand Dieu a créé Ève, est-ce que Ève avait du maquillage? Honnêtement? Voilà. Soyez naturel. C'est possible? Est-ce que c'est possible? Voilà. Oui. On va te donner le micro. Et n'allez pas lapider une personne qui est maquillée. Hein? C'est pas ça non plus l'amour. Hein? Alléluia. C'est pas ce que nous vous enseignons. Attention.